Allez, on avance et on parle du monde arabe. Alors, là, j'étais très intéressé par tout ce qui s'est passé en Libye, etc. Vous étiez aux premières loges, mais je vous suis depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, et j'y ai pris beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Ah, c'est très gentil. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah, mais... bon, alors c'est partagé, c'est très bien. Ah, très bien. Bon, quand les amabilités sont terminées, on passe aux questions. C'est pour éviter que les téléspectateurs ne se fassent de mauvaises idées. Ah, mais évidemment. Parce que vous êtes un peu pugnace ce soir, c'est pour ça. Ah, mais... La pugnacité, ce n'est pas l'hostilité. Ce n'est pas l'hostilité. Allons-y. Donc, surtout pas l'hostilité personnelle. Sur le débat d'idées. Exactement. Donc, je disais donc que j'étais très surpris de vous voir en Libye, ministre des Affaires étrangères, en espèce d'exécuteur testamentaire de Bernard Kouchner et de Bernard-Henri Lévy. Vous, que j'avais connu il y a près de 20 ans, en 1993, un ministre des Affaires étrangères brillantissime, très hostile au droit d'ingérence. Je ne comprends pas que 20 ans plus tard, vous ayez ainsi changé d'avis et que vous adoptiez les thèses de gens qui vous ont toujours combattu et que vous avez toujours combattu, au nom d'ailleurs, parce que vous êtes quand même, que vous le vouliez ou non, un héritier du gaullisme, qui défendait la souveraineté des nations. Et là, vous vous retrouvez avec les gens qui l'ont toujours attaqué. Donc j'avoue que je ne comprends pas. Bah, je vais vous faire l'aveu, monsieur. Monsieur Desmond, je ne comprends pas votre truc, là. Je ne comprends pas la souveraineté de la nation, le gaullisme, etc. Compris. Tout ça, c'est un sale bigourdi. Non, vous avez très bien compris. Non, moi, je me sens parfaitement à l'aise avec la politique que mène la France. Il y a une tradition dans la politique française, vous le savez aussi bien que moi, qui remonte au général de Gaulle, oui, qui est la tradition de la politique arabe de la France. Bon, voilà. Et je pense que nous sommes exactement dans cette politique. Alors, simplement, là, vous m'expliquez simplement, ça. Avec un petit changement, je vais essayer de vous l'expliquer. Ah. Pardon. Le petit changement, c'est qu'on s'est rendu compte que soutenir mordicus, les régimes autoritaires, en croyant qu'ils sont les meilleurs moyens de stabilisation du monde arabe, c'était une erreur. Et qu'aujourd'hui, les peuples en ont marre. Et que la grandeur de la France est de savoir non pas rester à il y a 20 ans. Je suis un petit peu conservateur, là. Il y a 20 ans, il ne faut pas bouger. Je suis même réactionnaire. Ah bon, voilà, très bien. Alors, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement soutenir, c'est intervenir militairement. Non, mais bien sûr, intervenir militairement, parce qu'on se donne les moyens de sa politique, naturellement. On ne s'est pas arrêté il y a 20 ans. Le monde ne s'est pas arrêté il y a 20 ans. Le monde est différent aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre devoir, c'est de prendre en compte les aspirations du monde arabe, des peuples arabes, à la liberté et à la démocratie. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en Libye, avec des succès. Et je suis très fier d'avoir participé à cette opération, je me sens parfaitement à l'aise. Mais parce qu'on l'a fait d'abord sous les auspices du droit dit, mais c'est international. Pas... Oh, ben, je sais pas qui vous l'a dit. Vous avez des fréquentations qui ne sont pas très agacées par la présence intempestive de Bernard-Henri Lévy qui annonçait avant vous. Mais qu'est-ce que ça a à voir, monsieur Zemmour? Bah, excusez-moi, c'est lui qui a convaincu Nicolas Sarkozy d'intervenir en Libye, manifestement. Donc ça vous a agacé, c'est ce que j'ai lu. Et je comprends pas très bien. Je suis un peu largué, oui. Je suis un peu largué. C'est pas monsieur Bernard-Henri Lévy qui a convaincu monsieur Sarkozy d'intervenir en Libye. C'est une décision que nous avons prise collectivement et que j'ai totalement appuyée. Alors n'essayons pas de mettre la zizanie là où il n'y en a pas. J'ai parfaitement appuyé cette intervention. D'abord, ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy, pour qui j'ai d'ailleurs, en tant qu'intellectuel, beaucoup de respect, qui est allé aux Nations Unies plaider la thèse de la France et qui a obtenu le vote du Conseil de sécurité. Vous devriez, M. Zemmour, recadrer un petit peu votre analyse du problème. Non, c'est une présentation extrêmement polémique. Voilà. Alors, il fut un temps où je réagissais peut-être un peu trop vivement à ce genre de propos. C'est totalement polémique. Je me sens totalement en continuité avec ce que j'ai toujours pensé et ce que nous allons continuer à faire, d'abord en Tunisie, ensuite en Libye, également en Syrie. C'est à l'honneur de la France. Non, pas c'est également en Syrie. Non, non. Si. Vous n'interviendrez pas militairement en Syrie. Non, mais nous allons continuer à dire qu'en Syrie, que la démocratie doit être aussi respectée. On s'en moque, c'est pas la même chose. Bombarder en Libye et dire que la démocratie n'est pas respectée en Syrie, vous pouvez le faire pour 100 États, 100 États. Nous prenons des sanctions en Syrie. Et la ligne de conduite, pardon que ça vous ait échappé, M. Zemmour, est exactement la même. Aujourd'hui, nous pensons que les peuples doivent être pris en considération et que lorsqu'ils veulent changer de régime politique et s'exprimer dans un cadre démocratique, il faut les soutenir. C'est ce qui a été fait en Tunisie, il n'y a pas eu non plus d'intervention militaire. Oui. C'est ce qui a été fait en Libye dans un contexte très particulier parce qu'un dictateur un peu fou s'apprêtait à bombarder les populations civiles. C'est ce que nous faisons aussi, vous avez bombardé les populations civiles. Non, on n'a pas du tout bombardé les populations. On ne peut pas dire ça, M. Zemmour, franchement. Non, les non, avions, non, les bombes non, des non, avions non, français non, sont tombées quelque non, part. Non, non, oui, sur des cibles militaires. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça, M. Zemmour. Moi, je respecte parfaitement la liberté de la presse, mais dire que la France est allée bombarder les populations civiles. Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a des morts. Vous avez épargné des morts. Vous avez dit qu'on avait été bombardé des populations civiles. C'est ce que j'ai entendu. Non, ils n'ont pas bombardé des populations civiles. Je ne peux pas laisser dire ça. Hein? La liberté de la presse est totale, mais pas le mensonge.
La France n'a pas bombardé les populations civiles. Vous vouliez parler aussi du lendemain des révolutions arabes. Je voulais simplement dire qu'il y avait une contradiction entre dire qu'on écoutait les peuples et, par exemple, ne pas bouger quand l'Arabie saoudite réprimait à Bahreïn. Et que c'est les monarchies pétrolières qui nous ont soutenus pour nous débarrasser de Kadhafi, qui elles-mêmes font la répression. Nous n'avons pas de double langage. Nous avons condamné l'utilisation de la force à Bahreïn contre les populations et nous avons appelé les autorités bahreïniennes à respecter ces mouvements. Nous n'avons pas du tout de double langage. Simplement, les conditions d'une intervention militaire ne sont pas réunies chaque fois. En Libye, c'était absolument indispensable parce que je vous rappelle que les colonnes de Kadhafi fonçaient sur la ville de Benghazi et que Kadhafi avait annoncé qu'il y aurait un bain de sang, qu'il allait éliminer les rats. Et on n'aurait rien fait. Moi, je crois que je suis fier de ce qu'on a fait, vous voyez. Bon, c'est vraiment une minute, je crois que vous vouliez parler. Je voulais parler de l'après. De l'après. On va aider les Libyens à construire maintenant un nouveau régime, une nouvelle démocratie. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. C'est le monde de bisounours, ça, M. Juppé. On voit bien aujourd'hui que les islamistes prennent position. Quel pessimisme, M. Zemmour. Vous êtes votre question. Vous êtes dramatique sur tout. Mais il faut bien qu'il y ait votre question. Non, mais moi, je suis confiant à l'avenir. Moi, je suis dans l'action, je suis pas dans la critique permanente. Non, ça sera la dernière, je voudrais vous demander. Il me pose une question où il défend sa thèse. Revoir. Ah bah, c'est normal. Ah, c'est normal, je le respecte tout à fait. Voilà. Mais laissez-moi aussi exposer la mienne. Bah, je fais que ça. Allez-y. Ah bon non, allez-y, partageons le temps de parole, franchement. Ah bah, je voulais simplement vous dire que je me demandais maintenant quelle puissance allez-vous libérer quand on voit que dans tous les, après les printemps arabes, que ce soit en Tunisie d'ailleurs, en Égypte et en Libye maintenant, les islamistes prennent des positions importantes. Et vous avez eu des déclarations assez étonnantes. Vous avez expliqué qu'il fallait considérer désormais que l'islamisme et la démocratie étaient tout à fait compatibles. J'aimerais bien comprendre ça. Est-ce que vous voulez dire que... On la voit, cette déclaration, hein, on peut la lire, j'ai un peu de mal, c'est un peu loin pour moi, mais il y a des gens attachés à l'islam et en même temps prêts à... C'est ça la vraie citation. Voilà. C'est ça la vraie citation. Mais les propos. Voilà. Parce que le mot islamisme en français a forcé. Je peux parler un peu? Bien sûr, j'ai merci. Merci beaucoup. Je disais que le mot islamisme en français a une connotation qui n'a pas forcément dans d'autres langues, une connotation excessive, une connotation de fanatisme. Je préfère parler du rôle de l'islam, bien entendu. Et ce que j'ai dit, je le maintiens tout à fait. Nous devons avoir avec l'islam un vrai dialogue chaque fois que l'islam accepte un certain nombre de règles de base de la démocratie. Voilà. Et nous l'avons fait. Et je crois que ceci nous permet d'aller tout à fait dans la bonne direction. Il ne faut pas stigmatiser et diaboliser l'islam en tant que chose. C'est là, oui, mais je vous lis, monsieur Zemmour, aussi de temps en temps, et même très souvent, avec beaucoup d'intérêt. Cette espèce de phobie de l'islam, aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Non, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Pardon, permettez. Je vous en prie, mais vous dites que j'ai une phobie, j'ai une phobie. Si, j'ai lu vos papiers. Pour vous, l'islam est un danger qui menace la civilisation occidentale. C'est votre opinion et votre analyse à vous qui nous intéresse. Là, vous pensez, c'est pour ça, mais moi je veux bien laisser M. Zemmour faire le débat. Ça me dérange absolument pas, je veux bien vous écouter. Non, mais la question simple, Je disais simplement que considérer l'islam comme un danger en soi, ça nous amènera aux pires catastrophes. D'accord. Ce qu'il ne faut pas accepter, c'est le fanatisme islamiste, c'est le refus par l'islam d'un certain nombre de règles de base qui pour nous ne sont pas négociables. Par exemple, la possibilité de l'alternance. Quand on prend le pouvoir, on va pouvoir le perdre. Par exemple, le respect de la liberté individuelle. Et c'est ça la ligne de partage. Et selon vous, est-ce qu'il y a un risque de fanatisme dans ces pays-là? Bien sûr qu'il y a un risque. Non, mais moi, Si on faisait des politiques, M. Pujadas, sans risque, on vivrait dans un monde idéal. Nous avons pris des décisions qui comportent des risques, bien évidemment. Mais nous pensons que les chances sont supérieures aux risques. Et nous pensons que dans ces sociétés qui se développent, le ferment démocratique l'emportera. Et je souhaite de tout mon cœur que la Tunisie puisse devenir un vrai pays démocratique, comme demain la Libye, comme demain aussi l'Égypte. C'est un pari sur l'avenir, je le reconnais bien volontiers, mais un pari d'optimisme. Et moi, je ne veux pas voir le monde avec des lunettes noires, où tout est catastrophique, où l'islam nous menace de partout. Non, ce qui nous menace, c'est les excès de l'islamisme, ce n'est pas l'islam. Et l'islam mérite d'être respecté en tant que religion, dès lors qu'il respecte les règles de la République. C'était le mot de la fin. Évidemment. Merci Éric Zemmour.